sens pas bien. Je vous gère. On en bas, il remonte. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ça hurle très longtemps. Bonsoir à tous, me voici dans l'ascenseur, le petit pote. J'ai même pas appuyé pour descendre, ça va pas, y'a rien qui va. Attendez, hop. Moi c'est le zéro où je vais. Hop, bon, je vous récupère ici, le petit loulou, pour la suite de ce vlog. Quelle heure il est? Il est 9h43, et là on file à la salle, on va à Giga Arena, je vais retrouver l'eau, et je vais retrouver Brabra, et après on va tous se retrouver avec Scott, avec Charlie, avec tout le monde. Il y aura Coco, il y aura Tony. Au programme ce matin, je cadre comme n'importe quoi, au programme ce matin c'est du bench et du squat, et après on va refaire une séance à Fitness Park, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Ils offrent des madeleines à l'entrée, moi je les prends volontiers, hein. Je les prends volontiers. Ça c'est mon petit déj, bon ouais, c'est pas idéal mais bon y'a que ça. Tiens, qui va là? Hop, je te fous la caméra sous le nez dès le matin toi. Ah mec, je suis encore endormi de fou là. Moi aussi gros, mais je crois que j'ai des cookies là. T'as pas bouffé? Oh non. Moi j'ai pris deux madeleines à l'hôtel, j'aurais dû vous en prendre. Oh bâtard. Yes sir. En route mauvaise troupe. Ouais, en route mauvaise troupe. Brabra, il a vraiment la casquette du seigneur là. Ah, j'ai vraiment la casquette. On m'a proposé de l'argent pour cette casquette. Eh mec, tu sais qu'elle vaut 1 million d'euros. Moi, je la rachète 1 million sur eBay. Salut l'internet. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que la vie d'un géant pendant 24 heures. Voilà, donc en fait, dans une voiture, tu te mets comme ça directement, tu viens la choper là, tu viens te poser ton menton et là, tu profites du soleil. Tu squattes avec moi, bro? Oui, bah oui, carrément. Avant-hier. Ouais. Juste, en fait, le jour où t'es arrivé, je faisais du squat. Mais c'est juste que là, vu que je reviens de vacances, chaque séance que je fais m'impose des courbatures de la mort le lendemain, tu vois. Ouais. Et là, autant dire que j'ai les cuisses éclatées au sol. Hier, t'as fait quoi? T'as fait les pecs un peu? Hier, j'ai fait pecs, ouais. Mais un petit peu, genre, j'ai fait 5 séries. Okay. 6 séries. Histoire de juste congestionner pour faire des photos et après. Ouais. Moi je fais du cardio aussi, hein, par contre. Hein. Ouais, les moi aussi. Je fais les abdos. Vous savez, je suis archi musclé déjà. Moi j'ai pas besoin d'accord. De. Je suis d'accord. Non, mais j'ai pas besoin de plus, hein. Je suis d'accord. Je suis désolé, moi j'ai atteint mon goal. Il suffit que je sèche. Désolé pour vous. Bravo toi. Mais pourquoi elle fait la meuf comme ça là? Ouais, moi je tiens quand même à stipuler un truc, c'est que quand on vient à Bordeaux, on marche beaucoup. Regardez mon application. 19 957. C'était hier. Ça. 1200 là. Là, 19 957 quand même. Genre entre ton hôtel et chez moi, il y a 1200 pas? Ah ouais. Après, je marche beaucoup dans ma chambre. Je fais des tours de lit. Mais du coup, tu fais moins de pas vu que t'as des grandes jambes. Eh oui. Dans ma chambre, on a dit. Genre en mode tu tournes comme ça. Pour augmenter ton truc de pâte et après dire aux gens regarde combien j'ai fait, t'es pas aujourd'hui. En vrai, on rigole, mais je serais très capable de faire ça. Je le fais pas, hein. Genre je fais ça. Qui va là? Bah mec, c'est le matin là, on va au giga méga muscle et il m'a mis de la tour de perles MPMP dans la bouche, remonté comme une pendule. Charlie, t'es en forme? Niquez-vous là, les gars. C'est à 16h du matin, les alcoolos à la bouteille de blanc comme ça. Non, mais sérieux quoi. Ah ouais? Ah ouais? Oh, ils sont zinzins. Ils doivent sacré descendre. Ah ouais? Ah ouais? Coco? Les deux sont en piste noire toute la nuit. Attendez. Là, je vais lui passer une petite potion. Qu'est-ce que c'est? Tu casses les couilles. Est-ce que t'es bien là? Non, je me sens pas bien du tout. Est-ce que t'es comme le même l'arrière? Je me sens pas bien. Je vais gerber. Attends, répète ce que t'as dit. Il y a moyen que je vais gerber. Allez go. Bon allez c'est parti. Regardez qui va là. Regardez qui va juste là. Monsieur Tony. On va faire les jambes ensemble, ça c'est beau ça. Mais regarde frère, c'est ça qu'on comprend pas dans la vie. Il est habile, il est. Hein. Attends, refais jambes deux s'il te plaît. C'était à vomir ici. Il y a un homme très séduisant dans cette salle. Hein. Salut Kéké. Ça va. Fais les pecs. Fais les pecs. Il devait faire les jambes hein, de base. Hein. Aïe aïe aïe. Ça c'est vraiment les. Beau hier soir. Ah j'étais charmant j'étais. J'étais charmant j'étais. Bon moi, je me suis mis en tenue de combat les gars. Hop, petit singlet, petite chaussure, petite ceinture. Et là on part sur du squat avec Tony. Ça va être très lourd, on va mettre les genoux hier. Le but c'est pas de monter très très lourd, de toute façon là, je suis un peu fatigué. Enfin je suis pas fatigué. Mais juste on est le matin donc voilà, va falloir contrôler la charge, c'est ça qu'on veut. Donc let's fucking go. Bon monsieur Tony. C'est quoi les bails là aujourd'hui? Là les bails c'est squat 1CT et bench 1CT, donc avec une seconde de pause en bas. Okay. Et on va travailler basse intensité vis-à-vis de la compète de dimanche. Okay. Histoire de faire un petit rappel, voilà, le système nerveux. Ok, donc tu te mets là, ça c'est le setup de Tony, c'est beau avec les petites chandelles. Moi je vais me mettre ici, moi je suis en 2CT, donc il faut que je fasse un top 7 à 2.30. Je devrais le faire mais c'est le matin et... Le matin, on verra bien ça. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que là on est au Gigamus, qu'on est en train de s'entraîner, mais hier on s'était pété la cabane. Hier on a fini à la méga foire, on faisait des records et Brutus comme ça. Oh, on mettait des espèces de savonnettes dans la machine à muscles. Ah oui. Ah c'était sympa. Tony vient à la salle, il a ses petits bonbons. Est-ce que je peux me permettre de t'en piquer un? Bien sûr, même. Oh c'est génial.
Non mais parce que moi je suis un peu gourmand quand même, je sais pas si vous l'avez remarqué. Là, je t'en pique un. Et on fait du power. Non, vas-y, mange. On va se les goûter quand même. C'est bon. C'est très bon. En vrai, c'est genre le mec qui connaît pas, mais bien sûr je connais. Bref. Ouais. On finit de s'échauffer, puis après on commence à taper. Ouais, taper du lourd. Taper du lourd, frère. Ça focus. Il est focus, les gars. Bon, allez, let's go. Scott qui arrive de nulle part, qui nous prend la barre. Allez, il arrive de nulle part. Tu pars terre. Et ouais, c'est ça de boire du vin blanc, mon truc con. Yeah, ouais. Besoin de conseils? Ah, yes, il fait blanc et cheap. Mais gros, t'arrives de nulle part, tu fais ça. Alors, Brutus, il a quelques petites lacunes au squat. Je vais essayer d'y donner 2-3 astuces sur cette séance pour essayer qu'il améliore ses répétitions. Volontiers. Allez, Tony. Bon, là, déjà, la position est pas bonne, hein, clairement. Oh! Tony, il est focus. On se focus avec Tony. Moi, là, je vais commencer. Oh là là. Pas ouf, t'as vu? Il m'a dit. Bon, allez, nous, on se concentre. Let's go. Tony, 160 sur la barre, 170 même je crois. Bien concentré, les focus. Tu vas bien? Il est bon lui. Ouais, il se débrouille. Il est fort comme une turque. Il se débrouille. Ah ouais. Amplitude non validée. C'est vrai? Non, je rigole. Ah gros, me parle pas de ça, j'ai peur là, j'ai ma compagnie dans le jour. À vous, t'as fait où? Et comme il me disait, il descend presque trop bas, du coup, il faudrait presque qu'il trouve le juste milieu. Il m'a dit qu'avec son coach, il bossait sur vraiment trouver le juste milieu pour pas se crever trop et être bien. Allez, il y a 200 kills, les gars, sur la barre. 200 kills? Il doit faire une seconde en bas. Allez, hein. On m'envoie. Allez, Tony. Allez, hein. Seconde en bas, et on monte. Sans problème. T'as dit. Ah, t'es trop politique. Il est trop fort, hein. Il est trop fort, mon chef. Nickel. Le mouvement est propre, hein, c'est bien. Au cas où. Il était propre à 170. T'as cassé la parallèle, hein. Je sens bien. Tu l'as très bien cassé, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est 2 secondes en bas. Ouais. L'objectif, c'est de monter à 2.30. D'accord. Je pense que ça va le faire. Ça devrait le faire. Mieux que ce que je ne pensais. Bon, tant mieux. Comme je l'explique avec Tony, on sait que le matin, on a du mal, tu vois, c'était nerveux et tout. Mais... Toi aussi, ouais. T'as du mal le matin? Ouais, on est plus en force entre les horaires de 17h, 19h. Sur ces horaires, en fin de journée, tu vois. D'accord, ok. Le matin, tu sais, ben, le temps, le réveil musculaire, la mobilité et tout, le temps de se mettre dedans. Ouais, c'est compliqué. Facile. Franchement, facile. Ouais, juste la barre, elle a bougé quand je suis remonté. Ouais, mais facile. Ça va, ça la remontée facile, après le positionnement, la technique, on va dire, t'as des petits trucs qui te plaisent pas. Ouais, bah la remontée, la barre un peu est passée du côté en bas, elle a repassé un petit peu en haut, mais... Après, ces barres-là, elles glissent, hein. C'est pas les barres que, tu vois. C'est pas des barres où tu peux faire du fromage avec tes pieds. Allez, 230 pour le bru-bru. Allez, mon gros, allez. Ah, t'es pas complète. Ouais. Allez. Allez, bon, c'est facile. Allez. Allez, mon gros. Allez, bru, allez. L'objectif, c'est la qualif. Allez, go. Facile. Très facile. C'est un monstre. Elle était bien, non? Ouais, super propre. Ressenti un peu. Non, ressenti bien. Pas trop de fatigue, mais c'est pour l'amplitude, je sais pas. Bon, et les gars, content. Franchement, 2.30 qui passe très bien. Ouais, avec quelques petites secondes. L'amplitude pas trop mal, Tony valide. Ouais, super propre. Je valide fort. Bon, bah frère, pour une séance matinale, je suis. Je suis avec un power, en vrai. Franchement, avec Tony, on a assuré. Là. Franchement, 200, il a bien se passé. Là, on va redescendre tranquillement, on contrôle, on travaille la technique. Tous les deux, on prépare des compètes, donc c'est ça qui est bon. Et voilà, moi, je suis content. Franchement, bien contrôlé. Donc voilà, là je vais redescendre à 2.10 il me semble. L'objectif c'est d'en faire 3, pareil en 2 secondes en bas. Et puis après je pense que je descendrai à 200 et puis après on passera au bench. Là c'est le coin des Américains ici. Qu'est-ce que t'en penses de cette séance Charlie? C'est cool, mais la salle elle est monstrueuse. Elle est bien la salle. Ah ouais, après, je pourrais venir tout nu tous les jours ici. Là je ferme, le dimanche est fermé, c'est moi tout nu ici. T'imagines tout nu? C'est bon, en vrai c'est des petites dingues. Franchement, c'est le seul point négatif de cette salle. C'est que la lumière elle pue la merde. Mais on s'en fout. On s'en fout de la light. Oui, non, mais je sais, les gars. Oui, non, mais. Bravo, monsieur. Après, tu vois, regarde, t'as le fitness park au Chartrand ici. Ils ont fait une salle de posing, des cons. Un, deux, trois.
Allez, dernière. La pause, meilleur move. Nickel. C'est pour les. Allez, fort. Très bien ça. Bon, du coup, les gars, il reste plus que moi et Tony, les vrais. Le plus fidèle. Le plus fidèle, les gars. Moi, il me reste une série de squats. Tony, il a fini. Il va faire un peu de mobilité pour le bench. Après, il va attaquer du bench. Moi, je vais attaquer du close grip bench. Et voilà. Et après, je vais faire un petit peu de bras, un peu d'épaule. Les autres, ils sont partis. On les retrouvera cet après-midi, en début d'après-midi, là. Et voilà. Donc, let's go. Dernière série de squats, ça se passe bien, je crois. Le squat est terminé. J'aime bien faire une dernière série comme ça sans l'équipement. J'ai pas mis les bandes, j'ai pas mis la ceinture. Et vraiment full en gestion du corps et de l'esprit. Et voilà. Donc maintenant on va passer au bench, les petits loulous. Je crois que je vais vous dire tout de suite, 3 ou 4 séries en close grip. Il me semble que c'est 3 séries. Donc on va attaquer. C'est ça, 3 séries. Première série à 130 en close grip. Il faut faire 6 reps. Après 140, 6 reps. Et après on va descendre. On redescendra, je pense, à 130 ou 120 et on refera 6 reps. Et voilà. Et après on attaquera les bras et les épaules. Ouais, c'est infini ces séances, mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Let's go! Regardez ça, on a tous les deux nos chaussures. C'est la même marqueur, ça c'est beau. Incroyable. Ça c'est beau, hein. Les meilleurs slippers du monde, les gars. En vrai, c'est bien. Je pense ouais, c'est bien. On voit la croche et tout, elle chante. Très quali. Je vous mets le lien de sa boutique dans la description. Allez prendre ça, franchement, c'est très quali. Très cool. De ma vie. Hein. Il est penché que j'en peux plus. Je suis en train de me tâter à monter à 140, je sais pas, je suis censé monter à 140. Enfin, entre 130 et 140 quoi. Ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment penché. Genre. Je vais monter à 140, je vais les faire un peu plus rapide. 6 reps, ça va passer. Aïe. Bon, 140 x 6, ça passe, mais c'est infâme. Je vais arrêter de le dire, mais... En fait, le problème, c'est qu'il est tellement penché que bah du coup, je pousse beaucoup plus à droite. Et du coup, bah, je suis complètement déséquilibré, ça me met des avantages tarpin. Donc, pas optimal, quoi. Donc, on va descendre à 110. Dernière série, après, on passera aux épaules. Je vais pas faire les bras. Parce que j'ai fait trop les bras la semaine dernière, honnêtement. Et là, la séance serait beaucoup trop longue. Donc, je vais faire les épaules, j'ai bien cramé les épaules. Et je crois que, de toute façon, ils veulent faire du street workout cet après-midi. Donc, j'ai gardé un peu mes bras frais pour cet après-midi. Voilà, let's go. Je vous tiens au courant des suites des événements. Et la dernière série à 110. Il n'y a aucun écart. Clairement. Oui. Là, les gars, désolé. Désolé, Pana, désolé tout le monde. La technique est horrible, mais je n'arrive pas sur ce bord. C'est impossible. Bon, allez, fini pour le bench. Gros, je me casse la gueule. Bon, du coup, 4 petites reps à 60. J'ai connu mieux, mais c'est pas grave, on teste le matos. Le banc, c'est... Les bancs, franchement, les gars, Giga, faut améliorer ça parce que ça glisse de ouf. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Là, Tony va me mettre des élastocs.
Bon, en vrai, je vais me retenter une 60, c'est quoi avec les élastiques? Je vais retenter une 60 avec les élastiques. Ouais. Bon, on va s'en filmer une à 50. J'ai plus de place sur ma cam là. Voilà, après, on fera quelques petites élévations latérales. J'aimerais 4 séries. J'essaie de pas trop glisser. J'ai voulu faire geeker de la muscu, mettre les 60 et je me suis fait calmer par le banc qui est éclaté au sol. Allez. Allez, encore haut. En biceps, on se crame un peu. Power building, tu connais les bikes. J'ai une particularité, c'est que je deviens un bonbon. Tu vois tes moments dans ta boîte? Bah même. Aussi rouge. Ouais, c'est bon, c'est fini. Tu vois ça, frère? Regarde, enlève deux secondes, ça c'est un vrai sac de power ça. Quand t'es un power, t'as tout et n'importe t'as quoi. T'as pistolet de massage. Pistolet de massage, dinguerie. Rouleau, bonbon, les Jordans by Pana. Les élastiques, petite boule de massage juste là. Mettez-vous au power. On va tous vous convertir au power les gars. Il y a un vrai mouvement en ce moment. Ouais. De ouf gros. Moi grâce au corona, il y a gavé de monde qui m'a DM, tout le monde se met au power. Mais vraiment mais tout oui. le monde. Mais du 15 ans, 14 ans jusqu'à. C'est un sport qui va exploser, je pense. Hein. Ouais, maintenant ouais. Moi je suis très content d'amener les valeurs de ce sport et d'amener ça sur YouTube, tu vois. Mais même tu reçois des messages, source d'inspiration, de motivation, d'un exemple, et justement, ça nous pousse encore plus à démontrer qu'on est capable en fait. Bon, nous on va sortir de là, on va aller bouffer, on va retrouver les autres. Let's get it. Les gars, juste, je profite de ce petit moment pour faire un petit débrief. Moi, je suis aux toilettes, je suis complètement aux toilettes. Hein. Ça n'a aucun sens. Mais un petit débrief, du coup, pour dire que franchement, c'était grave cool cette séance. Plaisir de faire une séance avec un vrai power aussi, c'est cool. Et très chaud, Tony. Comme ça, on se donne nos petits conseils chacun. L'un l'autre, on évolue. Et c'est très cool. Donc voilà, moi, je suis très content de cette petite séance. Le son doit être bizarre là, ça résonne. Et non, franchement, c'est cool. On partage de bonnes valeurs dans ce sport et on se dépasse. Donc juste hier, vous avez vu, on a fait du bras de fer, mais on a surtout fait du punching ball. Et chose à ne pas faire, c'est de faire ça quand t'as pas du tout échauffé finalement, et de taper comme une brute. Donc, petite tension dans l'avant-bras, j'espère que ça va pas me gêner pour le squat, mais on est quand même un peu con, hein. Mais c'est ça qu'on aime. Hein. Faites pas tout ce qu'on fait, on n'est pas des exemples à suivre. Ah, c'est petit repas de avec Tony. Hein. Tony qui me régale en plus, c'est magnifique. Ça va trop bon. Bon, nous on mange sérieusement, on est les vrais là qui ont fait attention là. Ah ouais. Et après on va retrouver tous les fous furieux là qui sont en train de se faire tatouer direct chez Brabra, donc on mange ça vite et puis on la peau. Bon, comme tous bons hommes qui se respectent, on s'est pris une petite Volvic fraise, une pomme, toi aussi. Ouais. Ça c'est pas Volvic, c'est la marque Carrefour, c'est ouais, Carrefour, c'est bien. C'est ça. En plus, c'est pas mauvais franchement. Pas mauvais. Je recommande. Et là, on file chez Brabra, il y a des dingueries qui nous attendent là. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un tatoueur et c'est n'importe quoi. Tu vas bien? Les gars, on est dans Corona Gym, pour ceux qui savent pas là quand même. Regardez les vainqueurs là. Oh gros, j'ai une dinguerie à vous. Mec, c'est quoi ce délire, gros? Charlie, qu'est-ce que tu nous as fait? Non, pas moi. T'as un pote pré-workout? Non, je veux pas. T'es pas chaud? Non. Toi, en plus, t'es pas dégueulasse. Non, j'ai pas. Moi, je suis bien. T'es vierge. Je suis vierge. Je suis pas beau aujourd'hui. C'est incroyable. Ça va la séance ce matin? Ah, très bien. T'as fait tes 4 heures d'entraînement? Vas-y, je suis. Comment tu as trouvé un tatoueur pour le ramener ici? Je sais pas. Ouais, par contre, t'as vu, c'est chiant. On s'est contacté. Après, on a pris rendez-vous en ville pour voir ce qu'on voulait faire et tout. C'est fou. Et j'avais dit normalement je le fais genre avant de partir en vacances. Et au final j'ai dit bon je le ferai après parce que j'avais peur de bronzer, de me faire tatouer et tout. Enfin bref. Et du coup j'ai dit aujourd'hui je pense que c'est le bon moment pour se faire tatouer. Bah ouais. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure et il a décalé ici direct. C'est instant. Incroyable. Et du coup voilà, je trouve ça cool parce que du coup on va se faire tatouer sur des bandes de coucher aussi. C'est bon, incroyable. Ça tu le vis une fois dans ta vie je crois. Qui se fait tatouer là? Toi? Toi et Charlie? Charlie, Scott. Et Scott. On va parler un petit peu de la situation de ce qui se passe. Là, il y a des tatouages, ils veulent se tatouer des codes barres, c'est fou furieux. Là, t'as un mec, il est tatoueur, il est suivi par Kanye West.
t'as des powerlifters, t'as une boule disco. T'as Charlie, c'est le mécano, c'est l'ingénieur. Il te dessine des petits pots de pré-workout. Là on va faire le pot de pré-workout avec écrit muscle pump. Toi t'es un vrai artiste. C'est beau hein. T'es un vrai artiste, c'est beau. J'ai tous mes petits dessins. Ah mais c'est quoi ce truc? Elle est géante. C'est pour toutes mes stories, je fais toutes mes stories, je fais tous mes dessins pour mes stories et tout. Génial. Genre tu vois le truc où tu fais les gifs, tu deviens un gif et tu l'ajoutes, bah moi nique ta mère. Moi je veux grave un QR code en vrai. Moi j'ai le... Tu mets des gays, bah non. Regarde, le new post, c'est moi qui l'ai fait moi-même. C'est un artiste. Ouais, ouais, tu gères. Ouais. Un artiste en vrai, il est là. Monsieur Charlie PN. C'est toi qui passes en premier? Ouais. Passe à la casserole? Direct. Bam, net. Vous arrêtez quand vos conneries? Bras. Non. Qu'est-ce que tu fais, gros? La vie va nous tomber dessus un jour. Bon, moi je vais faire un QR code. Ouais. Genre, je sais pas, cet endroit-là. Quand tu scannes le QR code, ça t'envoie sur la page. Genre, quand tu fais une recherche Google où il y a marqué fuck. Genre, en mode, tu t'en bats les couilles. Tu vois, c'est un jour quelqu'un me casse les couilles. Scanne mon QR code. Scanne mon QR code. Tu lui parles pas, tu t'embrouilles les couilles, tu lui dis QR code. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Moi, je t'explique un truc, ça va être simple. Ça va être très très simple. Là, je me fais tatouer des trucs bizarres. Et en plus de ça, frérot, je vais me faire un pot de pré-workout. Voilà, je te dis, et tu sais quoi, même là, regardez. Le pré-workout ou on fait les marioles, mais c'est quand même très très professionnel ce qui se passe. Là, il y a toutes les retouches. J'ai juste envie de te dire un truc. Moi, je te dis un truc. Là, ça me fait bander. Là, ça me. Tu commences pas à avoir une grosse érection. T'as réglé tes problèmes d'hémorroïdes ou pas? Ça a mieux. Et t'as fait champignon clé, ça va? J'ai pris sa crème pour les hémorroïdes. Nickel. C'est quoi ton Insta, juste que je le dise? Ah, moi, c'est Toby Ratatou. Perso, ben, c'est Curtis Haribo. Bon, du coup, l'idée, c'est de se faire tatouer ça. Pas pour moi, mais pour vous. Tu passeras. Un jour, tu passeras. Mais pas aujourd'hui, en tout cas. Un truc un peu plus intelligent. Déjà, pour commencer, tu vois. Pour un premier, un peu plus intelligent, c'est bien. Puis après, tu verras par la suite, tu vois. Les gars, quand même, c'est Charlie qui a fait ça, c'est très beau, franchement. Merci. T'es un génie, t'es un artiste. Bon, du coup, pour vous expliquer, ce soir, on va au resto à volonté. On va se péter le buffet. On va faire ça, on va aller au buffet, après on va aller faire la petite attraction, et puis on va pas se coucher trop tard parce qu'on est un peu fatigué. Mais demain, il est au Power Camp, on teste Altero, et Scott il va tester avec moi, ça va être rigolo, vous allez voir. Je marche tranquillement dans Bordeaux et je croise une araignée. Bah, c'est fou ça, gros. Oula, ça y est, il est sur la table. Toi aussi tu tatoues? Ah c'est beau, c'est beau. Muscle pump. Tu fais quoi toi, muscle pump? Quand même. Tu fais pas le pré-workout? Tu fais ça? Ah moi je ne fais rien. Non, moi je me fais un truc de Sinchi. Tu fais pas quand même? Avec marqué I don't care. Ça va avec, tu vois, do it anyway. C'est des petits mots au final. Je veux dire ma tata, c'est le mood quoi. C'est votre deuxième tatouage. Là aujourd'hui les amis, bienvenue. Bon, du coup on va les laisser se tatouer tranquillement. Puis on va voir comment ça va rendre. C'est sympa. Bon du coup pour vous expliquer les petits loulous, pour vous faire le débrief, parce que là vous devez pas trop comprendre, vous devez être un peu perdu. Pour vous recontextualiser tout ça, on s'est entraîné ce matin, donc grosse séance, et là cet après-midi, donc avec Tony on allait bouffer, et là on a retrouvé tout le monde, ils sont en train de se faire tatouer. Donc le bail c'est qu'ils se font tatouer, moi je ne touche pas à ça, moi. Pour l'instant ça m'intéresse pas les tatouages, peut-être un jour on sait jamais, mais pour l'instant c'est pas mon délire. Du coup voilà, tout le monde se fait tatouer, c'est rigolo. Ce soir on va aller à la fête foraine, on a fini de s'entraîner tout ça. On va aller à la fête foraine, on va profiter tranquillement, on va aller bouffer. Je sais pas vraiment ce qui va se passer, mais je vous emmène avec moi, on profite un petit peu. Moi c'est le dernier jour avec tout ce groupe là et demain je filme une vidéo, je reste à Bordeaux, je pars demain, une vidéo à Power Camp avec les mecs de l'Altero. Voilà, je vous le dis, je vous le tease, et voilà, ce sera une grosse vidéo, je teste l'haltérophilie. Donc voilà, donc là on profite de cette dernière petite journée à Bordeaux, enfin dernière petite journée avec les gars du CGM, avec Scott, avec Charlie, et voilà, on va profiter. Donc je vous emmène avec nous, on va voir ce que ça va donner un petit peu leur petit tatouage quand même, hein. On va voir, hein. Charlie, tu penses ça va bien se passer les tatouages? Il est charmant celui-là, hein. Charmant, ce qui va très bien. Merci. T'es un peu grand, mais bon, écoute. Ah, on peut taper dans toutes les catégories. On s'arrange. Heureux? De toute façon, dans tous les cas, je m'en bats les couilles. C'est marqué. Je crois que c'est marqué. Regardez ça. I don't care. Franchement, c'est stylé. Franchement, c'est très stylé. Avec les autres mots, ça va être encore plus stylé. J'aime bien la typo, en fait. Ouais, la typo, il se bob. Bras. Premier tatoué. Ah, moi je suis parti 5 minutes, il y a eu un autre tatouage qui a été fait comme ça. I don't care, do it. Do it anyway. Incroyable. Hop. Ça c'est ta gueule. Mesdames, on va voir ce qui va se passer. On va voir.
qui va se passer. En vrai, je sais pas comment m'y prendre du tout. Mais tu veux la porter comment? En gros, le bail, c'est de faire ça. On essaie de faire le porter d'abord. Ça va bien se passer. Ok. Non, je sais pas comment m'y prendre du tout. Je sais pas comment m'y prendre. Sinon, moi j'ai une technique. Ça, tu l'ouvres. Tu mets tes jambes là, la tête vers là. Et lui, t'attrapes de dessous comme ça. Ouais, c'est plus intelligent. Y'a un bail vraiment comme ça. Bah ouais, c'est pour ça, si elle s'allonge comme ça là, que tu passes dessus, tu peux la choper comme ça. Sinon, on fait une vraie photo normale, c'est pas mal aussi. Arrête les conneries. Ouais, c'est bien. Ouais, j'ai voulu la caméra à Brutus là et ça ira très bien comme ça. 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 Ce soir, c'est resto chinois à volonté, premièrement. Et deuxièmement, c'est maxi gyroscope de 100 mètres avec Brutus. Parce que hier, il s'est pris une petite fille graisée sec. Il m'a serré la main, il m'a dit demain je le fais. J'ai qu'une parole. Et donc ce soir, on monte tous les deux dedans. On monte tous les deux comme des amoureux. Et ça ira très bien comme ça. Et ça ira très bien comme ça. Bon, on est clairement en après-midi tatouage. Là, c'est Loki qui passe au fourneau. C'est sur le flanc. C'est des signes chinois, juste ici. Contente? Ah, regarde, il y a une police qui s'appelle Arbrutus. Mais oui, c'est ma police à moi. J'ai déclaré. J'ai déposé. Bon, après, il y a tous ces guignols là qui doivent passer. Ça va nous prendre, on y est jusqu'à demain. À tout moment, elle est 18h04 déjà en plus. Hein. Bon, les gars, je vous fais le débrief. Il est clairement 19h là. On est en train de se dire que les tatouages, c'est trop long. Trop long, les tatouages, les gars. Scott, t'abandonnes le tatouage du coup? Bah, écoute, ça ira très bien comme ça. Exactement, je suis d'accord. Bon, c'est fait. Moi, c'est fait. Coco, moi, j'y vais cash. Toi, t'y vas cash. Bonjour. On s'en enchanté. Bonsoir. T'as tout, bah, juste. Non, c'est trop long. C'est trop long. J'ai plus envie. Ah, parce que moi aussi, ça m'est pas souvent. T'as tout? Non, bah non, au final, non. Ah, les gars, c'est trop long, c'est fou. Ah, c'est trop long. Jamais on va faire de l'art, c'est trop long. Du coup, le dernier à passer à la casserole, c'est Coco. C'est un ange avec des cornes. Ça va ou quoi? C'est stylé, quand même. C'est une contradiction. Franchement, c'est stylé. Bah, c'est un peu comme moi, tu vois, je suis contradictoire. Et après, buffet à Volontex. Oui. Volontex. C'est contradictoire, ça. Volontiers. Attends, Scott, il prend 300, il arrive. Vas-y, le porte à ça, tous les matins. Ça avec un petit croissant au beurre le matin, ça passe comme du lait. Je vais pas prendre 300 mec. Ah ouais? Non. Ça m'étonne. Je vais prendre 310. Ah, c'est rien. Vous allez voir, il est expert. On rigole, mais la technique est quand même présente. Hop. Alors là, c'est allé tellement vite, vous avez même pas eu le temps de comprendre. En fait, il a levé 4 fois en même temps. Je vais rien faire. Là c'est magnifique. Là c'est la peau, elle est... Attends, mais mets au sol. Là la peau est traumatisée. Mais la lumière. Mets-moi ça la lumière. Regarde, là, t'as la petite ring light. La peau est traumatisée. Ah ouais. Parce que en fait c'est comme une scar. T'as bu hier. T'as bu comme une cuve, c'est pour ça. J'ai juste bu. Eh ouais, quand tu bois et que tu fais tatouer. Une bouteille de vin blanc du sec. Tu pisses que ça après, ouais, bah ouais. Non, et disons qu'en gros là c'est comme si c'était de la scarification. Et vu qu'elle utilisait une aiguille, c'est la R1, je crois, c'est tout petit. C'est comme si on mettait des coups de scalpel, il a dit. J'ai rien compris. Il a dit en gros qu'on met des coups de scalpel dans la lune. Est-ce que tu veux que je te sodomise? Moi je veux qu'on aille bouffer, voilà ce que je veux. Bon les gars, des histoires de tatouages, c'est pas pour nous. Ouais. Wow. Regarde. Nous c'est les bonbons. Nous c'est les bonbons. Je suis avec Tony les gars. Et on va aller enfin au buffet. Ouais, et je pense que je terminerai le vlog comme ça. Mais c'est du plaisir. Il a aucun ni queue ni tête ce vlog. Clairement. Mais c'est génial. Bon les amis, du coup je fais le débrief final de cette soirée, parce qu'il faut un débrief, il faut. Et du coup le débrief final de la fin de ce vlog. Voilà, j'espère d'ailleurs que vous avez bien kiffé. Voilà, moi j'aime bien filmer des petites vidéos comme ça un peu, où je vous montre un peu mes petits séjours. Donc voilà, mais pour résumer, on allait dans un buffet à volonté, et c'est pas incroyable niveau qualité, évidemment, mais ça on le sait, hein. Mais on a bien mangé, enfin genre en quantité, tu vois. Mais ça va, moins que hier, disons. Mais là, c'est vrai que j'ai un peu mal au ventre. Du coup, voilà, demain vidéo où on va tester l'altéro avec Scott. Voilà, Scott il était éclaté là ce soir, on avait qu'une envie, c'était bouffer et aller dormir, et c'est ce qu'on fait. Donc voilà. Mais voilà, du coup, le vlog se termine ici, les amis. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. Moi je vais me coucher, je suis crevé. N'hésitez pas à commenter, vous abonner. Je vous laisse, les petits loulous, c'était Brutus le robuste, le cher et le musclé. Et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures. Finalement, voilà, je vous laisse. Bisous, bye bye, on se fait une bise. Ça va, tu vas bien le coup, tu vas. Allez, c'est ciao.